Salut tout le monde, alors aujourd'hui au programme c'est le Grand Prix du Canada à Montréal sur l'île Notre-Dame, 7ème manche du championnat. On va essayer de faire mieux qu'à Monaco, même si on s'en est bien sorti après l'accident. Bien cette fois-ci il va falloir marquer le coup et gagner puisqu'on n'avait plus gagné depuis quelques courses. Donc il va falloir remettre ça à l'ordre du jour, c'est-à-dire pole, victoire et meilleur tour. C'est l'objectif, vous le savez, à compter des Mercedes bien sûr. Surtout que cette fois-ci, l'adversaire n'est plus Lewis Hamilton, mais bien l'équipier Vettel, puisque vous l'avez vu lors de la dernière course, eh bien, il y a eu des frictions entre nous. Et on va voir comment tout cela va évoluer. Donc comme d'habitude, je pars pour la qualification. J'ai fait mes setups offline, bien sûr, pour ne pas vous déranger avec ça. Et on est parti, vous voyez qu'il y a beaucoup de trafic sur la piste à ce moment-là de la qualif. Et eh bien, je vais faire quelques tours et ce ne sera pas terrible. Vous allez voir, je vais faire tout de suite le raccord sur mon premier vrai tour chrono. Parce que vous allez voir, à ce moment-là, je suis 22e et j'ai déjà fait un tour chrono. Donc là, c'est ma deuxième tentative. Il reste 4 minutes. Et eh bien, il va falloir faire un tour propre. J'ai été gêné par plusieurs retardataires dans les S du deuxième secteur. Des gens qui n'étaient pas en tour rapide. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai la piste bien libre et on attaque directement avec le premier secteur. Vous voyez, j'attaque vraiment, vraiment beaucoup. J'y vais sur les vibreurs. Ici je me positionne bien pour un des virages les plus durs, le S ici à gauche, à droite. Très difficile de relancer, vous voyez que j'ai actuellement le meilleur temps pour 2 dixièmes par rapport à Rosberg qui est actuellement à la pole. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau là du tout. Et le virage qui me le pose le plus de problèmes ici, puisque je dois tomber en 3ème ou en 4ème, je ne sais jamais. Et à la relance j'ai beaucoup de survirages, donc avec des pneus neufs ça va, mais avec des pneus usés, je sors de ce virage avec la voiture souvent de 3 quarts, donc c'est assez dérangeant. L'épingle. Très bel endroit pour dépasser et croiser, même si vous voyez que là à la relance, eh bien, j'ai surviré pas mal. Et puis on renvoie toute la vitesse et on ouvre le DRS dans la ligne droite de retour qui nous amène sur la dernière chicane, le droit de gauche qui se prend en troisième pour garder assez de vitesse et ne pas toucher le mur à droite. Vous allez voir qu'on est régulièrement proche de ce mur à droite, vous voyez, troisième vitesse, droite, gauche. Et là ça va, j'ai pas encore trop été large et on passe au DRS pour le transpondeur et le troisième chrono à 4 dixièmes de Rosberg. Donc vous voyez toujours derrière les Mercedes. Je fais une nouvelle tentative mais je n'améliore pas mon chrono. Je reste cette fois-ci à 3 dixièmes des Mercedes, donc ça devient limite. Donc sur mon élan, et eh bien là je vais faire une dernière tentative à 1,59 du terme de la session et on va voir si je peux aller améliorer ce chrono. On va vivre le premier secteur ensemble dans un premier temps. Vous voyez que j'y vais allègrement hein, sur les vibreurs. Et là, hop, premier secteur, j'ai une demi-seconde d'avance sur le chrono de Rosberg. Je continue à y aller vraiment fort sur les vibreurs. Donc jusque-là, tout se passe bien, pas de survirage. Les pneus et les freins sont en bonne température, m'a-t-on annoncé à la radio. Donc je suis très confiant pour ce tour-là. Et le virage qui me pose le plus de soucis. Ici, en quatrième, on va un petit peu sur le vibreur, mais on sort pas trop large. On a une bonne sortie. Ça se passe plutôt bien. Alors, particularité de ce circuit, vous voyez, 5 dixièmes dans le deuxième secteur. Particularité de ce circuit, je vais vous en parler rapidement, mais j'y reviendrai pendant la course. C'est qu'il y a 2 zones de DRS, mais une seule zone de détection. C'est-à-dire qu'à l'épingle, vous avez un détecteur. Et ici, vous ouvrez une première fois et vous aurez eu de nouveau le DRS disponible après la dernière chicane pour la ligne droite de départ arrivée. Alors que vous voyez que le voyant en descente s'allume, on est en troisième. Là, j'y vais beaucoup plus large sur la dernière chicane. Je rouvre une deuxième fois mon DRS, donc comme c'est autorisé. Et on va passer le transpondeur à 53 secondes. Et c'est la pole pour 2 dixièmes devant Rosberg. Donc premier objectif atteint pour l'instant, c'est la pole. On va voir si ça va tenir les dernières secondes de cette qualification. Et je vois donc Ricardo, meilleur temps, et ensuite Rosberg, Vettel derrière Hamilton. Et on voit qu'à la toute fin de la qualif, eh bien, j'ai Rosberg qui est passé 3ème puisqu'Hamilton est passé 2ème devant Vettel. Donc vous découvrez le classement. La Red Bull devant les deux Mercedes, c'était le premier objectif, bon à 1 et 2 dixièmes, c'est pas la folie, mais c'est la pole, ça compte. Vettel à une demi-seconde, c'est déjà un peu plus éloigné. La série cinématique de fin de qualif. Donc grosse confiance à ce moment-là, devant les deux Mercedes, c'était l'objectif principal. Jour de course, dimanche. Alors pas de mauvaise surprise, bien sûr il va faire sec tout le week-end, je n'ai pas précisé, mais ce sera un week-end sec, ce qui n'a pas été le cas à Monaco. On a une piste extrêmement changeante. Ici, eh bien, tout s'est bien passé au niveau de la météo. Voilà, on part sur le circuit. Donc, au niveau de la stratégie, rien d'exceptionnel. Hein. Comme d'habitude, les tendres et les durs, comme le veut le règlement, les deux compositions de pneus.
c'est parti. Donc vraiment confiant pour ce Grand Prix du Canada, un circuit que j'aime beaucoup. J'y ai fait pas mal d'exploits à l'époque où je roulais en ligue avec les jeux Formula One. On se retrouve donc sur la grille. Cette fois-ci, vous serez bien placé pour voir les feux. Mieux qu'à Monaco. Et c'est parti. C'est parti, on prend un très très bon départ. On va tout de suite chercher la trajectoire de droite qui est la trajectoire principale. On vérifie à l'intérieur que personne ne se présente. Et ça a failli toucher quand même avec Hamilton qui est deuxième. À ce moment-là, Vettel est troisième, donc c'est plutôt pas mal pour les Red Bull. Et même Vettel deuxième, voilà, il vient de doubler Hamilton. Donc les deux Red Bull sont devant les deux Mercedes, les premiers virages. Et puis voilà, un souci, Vettel est ralenti. Et Hamilton et Rosberg repassent devant Vettel. Donc c'est un coup d'arrêt pour Vettel après le deuxième virage. Ça a été un peu compliqué. Comme d'habitude, on prend un bon départ, même si Rosberg reste à une seconde et demie. Hamilton, bien nous talonne toujours. Hamilton qui est très très fort dans cette saison. Alors il est très fort certes, mais il n'est pas très fiable. On a pu le voir plusieurs fois cette saison, encore à Monaco où il était en tête. Donc eh bien Hamilton perd énormément de points face à nous, tout simplement parce qu'il abandonne et parce qu'il est victime d'accidents. Vous voyez que là je suis très tard sur les freins, Hamilton va tenter à l'intérieur de passer mais il n'y a pas possibilité. Donc un premier tour un petit peu compliqué avec des pneus et des freins très froids, donc mes points de repère sont pas très très bons. Hein. J'ai beaucoup de décalage avec ce que j'avais en qualif, par contre au niveau de la vitesse de pointe il n'y a pas de souci, on tient bien la Mercedes. Premier passage dans la chicane, en troisième. On glisse un petit peu, voilà, j'arrive à remettre la voiture dans l'axe et on complète ce premier tour de ce Grand Prix du Canada. Petit passage vite fait dans le deuxième tour où là je me loupe encore une fois l'épingle et Hamilton va tenter de prendre l'intérieur mais ça ne passe pas. Donc vraiment du mal de mettre ma voiture en condition de course, de la faire chauffer à ce moment-là. Entame du troisième tour, c'est Bottas le pilote le plus rapide sur Sir Williams alors que moi je suis full attaque, vous le voyez. Et le peloton reste assez proche, il n'y a pas trop d'écart qui se crée avec les voitures derrière, donc on va dire qu'il n'y a pas de groupe de chasse. Et je ne m'échappe pas vraiment, donc on va dire qu'on est tous à la queue leu-leu. Et on attend eh bien que l'un d'entre nous fasse une faute ou hausse le rythme pour que ça change. Pour l'instant, bah, il n'y a pas de raison que ça change, on a un bon rythme. Je vous laisse un petit peu le troisième tour, comme ça vous voyez que ça se passe pas mal. Pour l'instant, regardez bien ce virage qu'on vient de passer, pour l'instant je le passe sans problème puisque les pneus sont parfaitement en état, mais je ne vais pas toujours le passer aussi bien. Vous voyez que deuxième secteur, là j'ai 8 dixièmes, donc je suis vraiment vraiment bien. J'ai pas mal de sous-virages au niveau de l'épingle, donc ça me pose quelques petits soucis quand même. Puisque regardez, Lewis Hamilton ressort bien bien mieux que moi de l'épingle. Il va me chercher à gauche, à droite, il trouve pas l'ouverture pour l'instant. Et là il va encore essayer à l'intérieur, au freinage, mais non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et ça ne passe tellement pas que Rosberg a réussi à freiner plus tard que lui et prendre la deuxième place. Donc c'est maintenant Rosberg qui est deuxième de la course à la place d'Hamilton et il va à nouveau tenter à l'intérieur ici, mais non, pas possible évidemment. Et à ce moment-là, eh bien, je réalise le meilleur tour en course, mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière moi, eh bien, il y avait Rosberg. Et Rosberg a lui également fait le meilleur tour en course juste derrière moi grâce à l'aspiration de ma Red Bull et de la voiture de son coéquipier. Donc Rosberg reste la voiture la plus rapide actuellement en course. Dans le quatrième tour, je perds pas mal de rythme. Mais là, regardez ce qui se passe dans le rétroviseur de droite. Je touche légèrement Rosberg qui part en tête à queue. Donc Lewis Hamilton a envoyé Rosberg en tête à queue. Donc ils se sont éliminés entre eux. Drapeau jaune temporaire, évidemment, dans le secteur. Ça a fait ralentir l'ensemble du peloton. Et ça m'a mis un petit écart avec Hamilton, ce qui est pas plus mal. Mais surtout, ceux qui ont réussi à en profiter, ce sont les Ferrari avec Alonso 3ème. Et à ce moment-là, Raikkonen qui prend le pied de podium au classement. Donc ça me protège un petit peu d'Hamilton. Je ne sais pas si je suis à plus d'une seconde pour le DRS. Mais en tout cas, il revient très vite. Dans le cinquième tour, Hamilton tente de porter une attaque et je commence à avoir des soucis dans ce S où je glisse énormément. Vous voyez, je dois énormément corriger au niveau de la relance. Ça me pose pas mal de problèmes et vous voyez que mes pneus arrière eh bien, commencent à jaunir, à sucer tout doucement et qu'au niveau du rythme, eh bien, je suis bien loin. Et surtout, regardez ce qu'il y a dans les rétros, les deux Ferrari. Donc Hamilton a eu un petit souci. Sixième tour, vous voyez que je glisse encore plus et là, je frôle la catastrophe. J'ai failli aller toucher le mur. Donc j'ai vraiment un souci d'adhérence avec ce S, ce droite-gauche, que je prends peut-être avec une mauvaise trajectoire. En tout cas, ça me pose pas mal de problèmes alors qu'on est qu'au sixième tour. Donc rendez-vous compte, j'ai encore pas mal de tours à faire avec ce jeu de pneus. Sachez également que Raikkonen me prend la tête de course à ce moment-là, donc à la fin du sixième tour. Et surtout, Hamilton est passé devant Alonso. Donc Raikkonen en tête à ce moment-là. La Ferrari est très rapide, ça m'a surpris un petit peu d'ailleurs de voir
le rythme de la Ferrari sur ce circuit du Canada, qui était vraiment à son aise. Bon, après, toute proportion gardée face au Red Bull et au Mercedes, mais les Ferrari étaient pour, je pense, une des premières fois dans la saison dans le coup. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu de réaction du côté des adversaires. Vous voyez, je suis très très gourmand du nouveau sur les vibreurs et que je vais tenter de récupérer mon dû, à savoir la première place. Vous voyez que j'y vais allègrement, je glisse pas mal, de nouveau ici aussi. Je glisse beaucoup en sortie de virage, dur de passer la puissance avec ces pneus qui sont vraiment usés. Donc je suis pas encore là de m'arrêter, regardez dans mon rétroviseur Hamilton qui est juste derrière et là il ralentit de nouveau. Et là je fais une grosse faute, je perds l'arrière, je crève un pneu et au moment où je repars, je suis percuté par Hamilton sur le flanc. Donc là grosse catastrophe, un pneu crevé, plus d'aileron avant. Enfin, un aileron avant très endommagé, et surtout j'ai percuté Hamilton sur le flanc gauche. Donc Hamilton abandon, niet, c'est terminé. Hamilton quitte sa voiture, on n'est plus que 19 en piste, et là je me retrouve, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, je pars en tête à queue à la chicane, et ce qui pouvait me sauver arrive, c'est-à-dire un safety car. Donc je vais tenter maintenant de rentrer et de ramener la voiture. Bon, je pense qu'avec une roue crevée, il est techniquement impossible de faire du 250 comme je le fais dans la ligne droite de retour, mais bon, c'est un jeu vidéo, c'est un peu dommage. Mais bon, j'arrive à tenir le rythme devant, vous voyez, c'est Sutil qui est devant moi actuellement, et Bianchi qui est 13ème, et moi je vais plonger dans les stands au début de cette safety car, et je vais en profiter pour passer les pneus durs, puisqu'on passera la mi-course, et donc les pneus durs tiendront logiquement le coup. On va me remettre 4 pneus neufs, et vous le voyez, un nouveau museau. Voilà, très beau boulot des mécanos qui changent de museau et qui font un arrêt en 6 secondes 2, ce qui est pas énorme quand on regarde le boulot qui était à faire. Donc au niveau du comportement de la voiture, je vais vérifier si j'ai pas trop de changements après l'accident d'Hamilton. Donc bien sûr, c'est Hamilton qui se fait percuter, donc de nouveau, eh bien, ce sera un 0 pointé pour le pilote britannique pendant ce Grand Prix. Mais bon, c'est la course, moi j'ai totalement perdu la voiture avec mes pneus usés, et voilà, donc là j'ai perdu énormément. Et ensuite, eh bien, la bonne surprise, c'est qu'au tour suivant, avec mes pneus neufs, eh bien, tout le peloton rentre, puisqu'ils sont condamnés à rentrer pour leurs pneus. Je comprends pas que tout le monde n'ait pas rentré un tour plus tôt. Donc ça me donne un avantage certain, eh bien, même plus, puisque je retombe déjà 7ème, alors qu'on rejoint la safety car. Et je me retrouve 7ème derrière Jules Bianchi, justement, avec sa Marussia, qui lui n'a pas encore ravitaillé, évidemment. 9ème tour, fin du 9ème tour, et regardez, je suis toujours derrière Bianchi, et on m'annonce quoi? Que la voiture de sécurité, pardon, eh bien, va rentrer ce tour-ci, et que eh bien, le reste du peloton, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est la réglementation, il va piter, donc les voitures devant moi vont certainement rentrer ce tour-ci. Donc là, je m'attends à être peut-être 2-3ème sur le classement, donc ce serait vraiment incroyable après l'accident, la crevaison, l'arrêt au stand, de se retrouver en tête. Et regardez devant moi, tout le monde rentre au stand, à part Jules Bianchi. Donc je me retrouve deuxième derrière la Marussia, et c'est plutôt une bonne affaire. Et donc la Marussia qui ne va pas faire long feu, vous allez voir que dans la ligne droite des stands, même s'il protège un petit peu, il me fait un petit peu peur là sur le coup, l'ami Jules. Et je repasse, et qui est dans mon sillage? Eh bien c'est Vettel. Et oui, Vettel qui en a profité pour se mettre en notre compagnie et stopper également au tour précédent. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'on revient de nulle part avec... avec Vettel, franchement, on s'en sort super bien. Les Ferrari étaient devant, Hamilton était plus rapide que moi, j'étais en grosse difficulté avec mes pneus. Ça m'a poussé à l'accident, malheureusement Hamilton avait dû être impliqué dans l'accident, ça c'était écrit ainsi. Et donc on se retrouve tous les deux avec un surplus de carburant et une voiture surpuissante devant. Et puis il va plus se passer grand chose hein, pendant quelques tours, donc je vais vous passer successivement les passages au transpondeur des tours suivants, donc le 10e, le 11e, le 12e tour. Et vous voyez donc que j'ai donc Hülkenberg et Button derrière moi. Pourquoi? Eh bien parce que Vettel a dû re-rentrer, il a cassé son aileron, tout seul comme un grand, et il ressort quatrième. Donc voilà, donc Vettel a cassé son aileron. Donc le classement au niveau du 13e tour, vous voyez que ça passe très vite, hein, les tours. Donc dans le 14e, moi, Hülkenberg est deuxième avec la Force India. Hülkenberg qui fait une saison formidable, il faut savoir, avec la Force India. Il a remporté Monaco hein, juste avant. Hein. Hülkenberg a gagné Monaco avec sa Force India. Je vous invite à aller voir le Grand Prix de Monaco si vous ne suivez pas toute la saison et que vous regardez quelques vidéos. Le Grand Prix de Monaco vaut réellement la peine parce que c'était de la folie. Et Button, 3ème avec la McLaren. Donc ça, c'est vraiment bien pour l'ami Jensen qui a eu une saison difficile jusque-là. McLaren qui se qualifie très bien mais qui a beaucoup de mal à concrétiser en course pendant les dernières épreuves. Et bien là, force est de constater que la Mercedes, le moteur Mercedes pardon, fait son travail. Et Button est pas mal 3ème. Vous voyez également qu'au niveau du chrono, eh bien, on tourne bien mieux avec ces pneus neufs et je tourne assez rapidement. Vettel toujours quatrième, hein, évidemment. L'ami Vettel qui
qui est toujours là, mine de rien, et qui commence à devenir vraiment un candidat sérieux au titre, puisque eh bien, Hamilton, de nouveau à l'abandon, donc il reste qui ? Il reste Rosberg et Vettel, pardon. Donc voilà, après, ça doit être Raikkonen, je pense, ou Magnussen avec les Mercedes. Peut-être Bottas doit être aussi dans le top 10. Donc il faut se méfier aussi des outsiders qui, à force d'avoir des abandons pour les Mercedes, pourraient créer la surprise finalement après tout ça. On se retrouve dans le 16e tour et je suis esselé complètement. J'ai bien tourné là, vous voyez que j'ai 3 secondes 5 sur Hülkenberg. Donc je prends vraiment un petit confort face à mes poursuivants. Et vous allez voir que eh bien, ça risque de ne pas durer puisque mes pneus eh bien, commencent à me faire défaut. Et regardez comment se passent les épingles. C'est assez compliqué, vous voyez, je survire énormément. Donc là je suis en train de perdre mon écart, et vous voyez, 1 seconde 8, je n'ai plus rien, donc ma voiture est en train de crouler complètement. Donc j'ai une voiture dans le dernier tour qui est dans un état d'usure totale, en plus de l'accident. Et vous allez voir qu'en fin de 18e tour, j'ai des soucis pour passer mes vitesses. Alors mon G27 a du mal de passer certaines vitesses, donc je suis très souvent au rupteur, donc ça m'inquiète un petit peu. Je vais prendre une épingle assez compliquée, regardez derrière moi, tout le monde est là, il y a Hülkenberg, il y a Button, et je crois il y a Rosberg qui doit pas être loin, et Vettel forcément 4e. Regardez, là il passe pas mes vitesses, donc j'ai un sur-régime terrible en 3e. Hülkenberg va en profiter, je vais toucher Hülkenberg, Button va se représenter 2e, et là Button, j'essaie de le contenir avec une voiture totalement en perdition. Button tente l'extérieur à la chicane, on se touche, et là Button est ralenti puisqu'il tente de couper le vibreur. Et là, scandale, je prends une pénalité pour avoir poussé Button hors piste, et donc je gagne le Grand Prix. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de la pénalité, et je suis classé, vous le voyez, 7e. Donc c'est une grosse désillusion parce que avec l'accident de Button, eh bien je me retrouve avec une pénalité importante de 10 ou 20 secondes, on va la découvrir. Voilà, je me prends 20 secondes de pénalité pour le contact avec Jenson Button. Button qui gagne cette course, donc 25 points pour McLaren, devant Vettel, qui fait la grosse opération. Perez et Hülkenberg 3 et 4, c'est incroyable. Vergne et Maldonado également. Et dans les abandons, il y en a eu pas mal, vous voyez. Donc il y a eu Bianchi, Alonso, Hamilton et Rosberg. Donc il n'y a pas de Mercedes à l'arrivée, il manque une Ferrari. Donc c'est quand même pas mal de déchets. Vous voyez qu'au classement général, eh bien, qui revient à 15 points, ce n'est plus Hamilton maintenant, c'est Vettel. Vettel devient mon adversaire principal dans ce championnat. Donc ça, c'était la grosse surprise de ce Grand Prix du Canada, qui a été assez mouvementée, un petit peu bordélique, on va être honnête. Et j'espère que ça se passera bien mieux en Autriche, le prochain rendez-vous. Voyez le classement constructeur, je vous remercie d'avoir suivi cette 7e manche du championnat, et je vous donne rendez-vous sur le A1 Ring en Autriche, ou Spielberg, c'est comme vous voulez, pour le prochain meeting. Allez, salut!